Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Des conditions météo qui resteront grises en cette journée de mercredi, sous un temps calme, un peu plus d'humidité et toujours du froid. Regardez cette magnifique photo que vous nous avez envoyée. Nous sommes du côté de la province de Liège et le froid va perdurer avec ces paysages hivernaux. Et d'ailleurs, jeudi, il va neiger ici sur les hauteurs. On en parlera dans ce bulletin météo. Une offensive hivernale, ou en tout cas une perturbation un peu plus active. Demain, on aura à peine quelques petits flocons, ce sera plutôt calme. Nous sommes sous l'influence de notre anticyclone. Il s'étire de la Scandinavie vers les îles britanniques. Il nous positionne dans un flux de secteur nord-est. Résultat, il y a beaucoup d'humidité qui arrive depuis la mer Baltique ou encore la mer du Nord. Et résultat, ça se traduit par de la grisaille. Ce sera encore le cas des nuages bas bien tenaces tout au long de la nuit. Peut-être quelques brouillards du côté de l'Ardenne sous des températures minimales qui ne bougent pas. On aura une nouvelle fois du gel à Saint-Hubert, moins 2 degrés, moins 1 degré à Arlon, 0 à Spa, 2 à Bruxelles. Et s'il y a des brouillards dans ces régions où les températures sont négatives, ce seront donc des brouillards givrants. Pour la matinée de ce mercredi, ce sera nuageux, gris, des nuages bas sur l'ensemble de la Belgique, quelques flocons ici sur les hauteurs, mais pas grand chose, rien d'organisé. Et puis dans le courant de l'après-midi, c'est vrai qu'on aura un petit crachin, mais il y a quelques flocons de neige fondante jusqu'au centre du pays. Et puis ailleurs, dans le nord-ouest, ça restera chargé, mais sous un temps calme et sec. Vos températures pour demain après-midi, elles sont stationnaires, froides, légèrement en dessous des moyennes de saison. Pas de dégel à Saint-Hubert, par exemple, ou moins 1 degré, 2 à Namur, à Charleroi, à Bruxelles, ou encore jusqu'à 3 degrés du côté de Tournai. La nuit de mercredi à jeudi, arrivée d'un petit front par les régions du nord au contact de l'air froid, ça va apporter de la neige. Dès 250 mètres d'altitude, on pourrait avoir une accumulation donc de 1 à 4 cm dès 250 mètres d'altitude, situation à surveiller. Les prévisions restent à peaufiner en cette journée de demain. Et puis sur les hauteurs, on pourrait avoir 5 à 10 cm de neige supplémentaires qui vont venir se rajouter aux paysages hivernaux que nous connaissons. Ensuite, petit à petit, en cours d'après-midi, en tout cas en cours de journée, en fin de journée, arrivé d'un temps un petit peu plus calme par le nord-ouest, mais sous la grisaille. Vendredi, quelques résidus de flocons sur les hauteurs. Ensuite, on récupère un temps plus sec, mais nuageux. Et pour le week-end, on change de masse d'air, retour de l'anticyclone qui va stabiliser l'atmosphère, un temps plus sec, avec même le retour de quelques éclaircies, tout cela sous des températures qui restent froides. C'est l'épiphanie ce mercredi 6 janvier et nous allons gagner 2 minutes de clarté. Tout de suite, c'est The Voice, je vous retrouve un petit peu plus tard.